Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport d'Omgani Ndiaye, Warul Tid, Warul Ragal Rhys James, latéral international anglais des Bulls de Chelsea. Wax dañ ko laaj ban adversaire mo la gëna son Angleterre, ban adversaire bi nga xamanteni ba nga day ak mom nelawoo ba nga day mom ci terrain bi defal na la bagage, mu ne l'adversaire le plus coriace que j'ai eu à rencontrer dans ma jeune carrière en Premier League moy Sadio Mané. Ci Sadio Mané, Sadio Mané, sunu fierté. Lolo, mouné, donc le latéral de 20 ans qui joue avec l'équipe nationale d'Angleterre actuellement, mouné def une excellente saison avec les Bulls de Chelsea. Néanmoins, mon adversaire le plus coriace a été Sadio Mané. Il est l'un des meilleurs ailiers de la ligue ou bien au monde. Néanmoins, mon ailier, beaucoup d'anti ailiers qui gagnent carrément qui Premier League et qui monde. Il est fort, gaona rapide, mora melax ba paré. Donc, bon sur le ballon, et l'un des plus difficiles à affronter. Mais le ballon au pied, il est bon, il est rapide, il est fort. Il fallait qu'il n'y ait qu'à tant que Bambali. Il est kek, Sadio Mané, donc il est. Il a toutes les qualités pour devenir le meilleur joueur de la planète. Il l'est actuellement. Image modeste, bling bling bi, à Genti Mediaï di Safal. Sinon, Sadio Mané, actuellement, c'est le meilleur joueur de la planète. Terry James, donc là bien, donc confirmé, nena, moi, adversaire, parce que Apple, donc beaucoup, il a plus de problèmes, donc dans la Premier League. Donc c'est Sadio Mané mom gars yag nañ ko wax, il y a beaucoup de défenseurs yo xamné ban len la dayone Sadio Mané mo len gëna sonal ci attaque ailier liñ dayé ci Premier League. Donc ça veut dire que Sadio Mané vraiment sunu fierté, c'est le très haut niveau. Boulaja ciblé par l'équipe de Manchester United. Donc Boulaja actuellement meilleur buteur de la Ligue 1 et ciblé par l'équipe de Ole Gunnar Solskjaer, parce que information du Jules Grégoire, mais Todo Fichajes un média espagnol, Mogo, Guéné, Manchester United, ils sont prêts à mettre 30 millions d'euros pour recruter Boulaye Diah. Mon niveau estimé à 15 millions d'euros, mais Hamad Anglais, mon la 8. Il y a 15, nous doublons au défaut 30, récupérer ce jour. Donc Boulaye Diah, Marseille aussi, nous sommes en train de faire des hivers, mais actuellement, Boulaye Diah, il y a un peu de Marseille. Parce que Marseille, ils n'ont pas beaucoup d'argent, alors que les clubs anglais voudront recruter Boulaye Diah. Parce que Boulaye Diah, il a le profil de Didier Drogba. Donc il est puissant. Il est bon en protection de balle et il marque des buts. Il est puissant, comme Didier Drogba. Donc vraiment, c'est le très haut niveau. On attend vraiment une très belle carrière pour Boulaye Diah. Parce que mon Lyon, ben retard pour mon auto, mon tachon de mon Lyon. Pour 12 ans de formation Lyon. Après Boulaye Diah, histoire bi non, mon yalla dal bu yalla né waaw lepp échangé. Pour mon doto nek footballeur professionnel. Après mu dem nek électricien dem di takhalé di liggéey électricien après ci la dem football Oyonnax après ci la naw tok Oyonnax Reims djëndugo. Actuellement il est le meilleur buteur du championnat de France, 8 buts en 8 matchs. Actuellement il joue avec l'équipe nationale du Sénégal, peut-être donc dimanche il sera titulaire. Forcément il doit être titulaire parce que face à la Guinée-Bissau ici à Dieppe, ni do xar mu nek titulaire parce que c'est le meilleur buteur sénégalais du moment. Donc il y a rien d'autre à dire. Match Angleterre bi non Irlande quand mon titulaire c'est Dominique Calvert-Lewin. Alors qu'il y a un côté du monde, parce que Calvert-Lewin, moi je n'ai Grealish titulaire avec Jadon Sancho, l'ingole, trio d'attaque. Pourquoi? De l'honnête forme. Grealish, nous forme à ce là. Calvert-Lewin, c'est le meilleur buteur anglais du moment. Donc, comme mon côté du monde, mon titulaire, mon double. Donc, c'est ça. L'équipe nationale, il faut mettre les titulaires, les joueurs en forme. C'est ça. C'est ça le secret pour gagner. C'est juste ça. Donc, mon, il est sous contrat jusqu'en 2022. Donc, il y a de fortes chances qu'il quitte le stade de Reims. Il a le talent et il est promis à un très bel avenir. Sadio Mané, le joueur le plus coriace en Premier League. L'attaquant le plus redouté, bien qu'il regarde Premier League, Boulaye Diah, futur joueur de Manchester United. Donc, Gagné Ndiaye, Warul Tid, Warul Ragal. Convoqué en équipe nationale du Sénégal pour la double confrontation face à la Guinée-Bissau, Alpha, Richard, Djonku. Donc, histoire, nous ne savons pas, mais c'est une histoire qui est vraiment émouvante parce que il a grandi ou bien il est né sous les balles au niveau de la Casamance. Donc c'est un enfant donc qui a vu les balles éclater du niveau de la Casamance. Pendant longtemps, des populations de cette localité se sont trouvées coincées entre les feux séparatistes et les armes nourries des soldats parce que il y avait la guerre au niveau de la Casamance. Donc mom ci le judo feletie Casamance. Donc convocation équipe nationale bi, donc une sorte de reconnaissance à l'image de son village natal, longtemps traumatisé par les rebelles Casamance. Donc vraiment, moi, nek feletie Jinyeso dans la commune d'Adéane.
dans le département de Ziguinchor, entre le fleuve Casamance et la forêt de Bissine, Sindone, fauf le Djuro. Sindone a savouré ce lundi 9 novembre, sous les touffes d'arbres, la sélection de son enfant prodige, qu'il n'a pas vu grandir parce qu'il est parti en Espagne et il a grandi en Espagne. Moi, j'ai une équipe nationale cadette pour Espagne. En tout cas, c'est un très bon joueur. Il a été Coupe du Monde U20. Il a été exceptionnel aux côtés de Moussa Ndiaye, aux côtés de Suleiman Djimou Cissé. Donc, Sindone, son village est content parce que vraiment, donc c'est pas toujours facile d'avoir un international sénégalais. Donc garçon bien hamantene Manchester City moko recruté en provenance de Mallorca en deuxième division espagnole, sonna le maillot de la Rojita U17 moy cadet Espagne en 2018 avant de rallier la sélection U20 Sénégal. Donc en Pologne mon bokna ci meilleur joueur Coupe du Monde, vraiment il a été exceptionnel, latéral, axe ou milieu de terrain, il peut jouer à tous ses postes. Aujourd'hui Alpha Diongo est le premier joueur originaire de Sindone a accédé à l'équipe nationale, en équipe nationale du Sénégal. Donc premier joueur bo xamné Sindone nga judo donc moy Alpha Diongo, mais il n'est pas le premier à porter le maillot des Lions. Ibrahima Wadji, ancien joueur de Yogo et Mbour Petit Côte, actuellement à Os Sund feul ci Norvège bokku na ci. Mohamed Sané FC Mulhouse donc sol na maillot bi, mais moy U20 lañ sol, ñoñu moy U20 lañ sol, mais équipe nationale A, c'est la première fois qu'un originaire de Sindone donc porte ce maillot de l'équipe nationale A du Sénégal. Donc c'est pour dire que Richard Diongo, donc il a eu donc un parcours un peu atypique parce que il a quitté la Casamance pour aller en Espagne avant de revenir porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Comme pour dire que aduna bu yon diexul waxusil du diex doomu gayni ndjay warul tit waru ragal Alpha Richard Diongo.